Bon, si toi aussi pour cette année tu te dis que le summer body c'est mort comme pour les 5 années précédentes, eh ben cette vidéo est faite pour toi. Et salut à tous. Comme vous le savez déjà, il y a un running gag qui est récurrent sur mes shorts, c'est à base de ce produit-là. Vous le connaissez tous, c'est sûr, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'avais pas spécialement envie de faire une vidéo sur des produits photos, vidéos ou autres, et je me suis dit que j'essaierais bien de faire autre chose, et vu que j'ai reçu un nouveau produit très récemment, ça me faisait la bonne occasion de vous parler de la nouvelle marque que je viens de lancer. Cuisinart. Non, c'est faux, mais par contre j'ai trouvé cette marque et ça m'a fait gaulerie. Et du coup, je voulais vous en parler et j'ai reçu très récemment un grille-pain spécial pour 4 toasts en même temps. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir avec la photo et la vidéo. Mais bon, vu qu'on aime la bouffe et qu'on aime le Nutella, aujourd'hui, on parle de ce produit. Alors, juste, oui, effectivement, il y en a qui vont forcément dire, on peut faire ça avec des avocats et faire des trucs healthy. Sachez qu'on vous aime quand même, mais que vous n'êtes pas des gens très rigolos. Mais tu n'es pas drôle, c'est pas drôle. Allez, on est parti pour l'unboxing. Du coup, à l'intérieur, on a... Je ne l'ai pas encore ouvert, franchement, je le découvre avec vous. On a une magnifique petite notice d'utilisation. Et après, on a la bait. Alors, attends. Alors. Au secours. Alors, on avait du polystyrène, du plastique. Là, il est beau gosse en vrai. Des petites cales en carton pour bloquer les lèvres-pains. Je sais pas comment ça s'appelle sur un grille-pain. Tac. Et on va enlever ce petit bout. Voilà. Alors du coup, il est hyper beau gosse, en acier brossé. On peut y mettre 4 toastinettes à la fois. Autant vous dire, double sandwich à chaque voyage. Ça, c'est un peu stylé. Donc il y a la possibilité de les régler deux par deux séparément, ça c'est cool. Il y a une fonction toast normale, il y a une fonction bagel, il y a une fonction décongélation, il y a une fonction réchauffage, je crois. C'est ça. Et cancel pour faire sauter le pain si on s'est un peu planté. Et après, on a les petites roues crantées pour régler la puissance du grille-pain. Franchement, il est plutôt bien foutu, il est assez joli en vrai. Et la petite marque ici sur le côté avec le petit pictogramme, attention c'est chaud. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Juste à l'arrière, alors je sais pas si on va le voir. Juste ici, il y a les petits tiroirs pour ramasser les déchets qui tombent au fond du grille-pain. Comme ça. Et ben, je crois qu'on a tout dit. Ouais, aujourd'hui ça va être une vidéo courte. Hein. Mais vu que je peux pas vous faire une vidéo de 3 minutes, moi ce que je vous propose c'est petit plan de coupe. Et puis on va claquer un sandwich, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Franchement, il marche super bien. Ils vont environ 90 euros. Moi, je suis en train de me gaver en vidéo et ça n'a plus aucun sens. Par contre, c'est vraiment bon. Ouais, comme je vous disais, ça marche bien. On peut faire 4 tartines d'un coup. Franchement, c'est plutôt stylé. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo très différente de ce que je produis d'habitude vous plaît. Si de temps en temps, ça vous dit que je vous montre un ou deux produits que je reçois, des trucs un peu cool. Même si c'est pas forcément de l'audiovisuel. Voilà, si ce grille-pain vous intéresse, il est dans la barre de description. Lâchez-moi votre avis en commentaire si ça vous a plu. Petit like, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!